Le général Flynn a accepté d'être entendu par le Congrès américain qui enquête en ce moment sur les interférences russes dans la campagne présidentielle de 2016. À une condition, il réclame une immunité. L'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui avait épaulé le milliardaire pendant la campagne, avait été forcé de démissionner le 13 février dernier. Des révélations ont fait état de contacts répétés entre Michael Flynn et l'ambassadeur russe aux États-Unis. Selon un rapport secret du CIA publié par le Washington Post, la Russie a bien orchestré une série de cyberattaques pendant la campagne présidentielle dans le but d'aider l'élection de Donald Trump. Trois enquêtes, au Sénat, à la Chambre des représentants et au FBI, tentent de définir si, oui ou non, l'équipe de Donald Trump a eu des contacts illégaux avec la Russie.